Chers Loiretains, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que président du SDIS, du service départemental d'incendie et secours du Loiret. Deux fois par semaine, aux côtés du directeur départemental du SDIS, je participe à la réunion qui permet de partager l'expérience de tous et puis aussi d'étudier toutes les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers. Le but de ces réunions est de faire un état des lieux sur tous les différents process d'intervention, protéger ceux qui sauvent, les sapeurs-pompiers qui sont, je dirais, en première ligne pour transporter des personnes malades, ont besoin d'avoir aussi des moyens adaptés à ces interventions. Je tiens à remercier tous les personnels qui s'engagent, qu'ils soient sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires, mais aussi personnels administratifs et techniques, qui sont là pour témoigner aussi de leur ressenti par rapport à cette crise, pour pouvoir être prêts à intervenir. Là encore plus aujourd'hui, durant cette crise sanitaire, on a besoin de cette ressource de sapeurs-pompiers, on a besoin que le SDIS fonctionne bien pour aller au-devant des personnes qui en ont le plus besoin. Le Covid-19 bouleverse l'activité du corps des sapeurs-pompiers du Loiret, dans le sens où les sapeurs-pompiers, comme tous les citoyens, peuvent être touchés par le Covid-19. Donc il convient de les protéger et il convient de mettre en place une organisation qui nous permettra de durer dans le temps parce que nous devons continuer d'assurer nos missions de secours d'urgence 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. On a actuellement une augmentation de la disponibilité déclarée de nos sapeurs-pompiers volontaires de 58% par rapport à la période avant crise sanitaire. Actuellement, dans cette phase de crise sanitaire, on a en moyenne, je dirais, presque 20 transports par jour de victimes susceptibles d'être porteurs du Covid-19. Aussi, je dirais aux Loiretains que tous les secours en cas de nécessité partiront des centres de secours les plus proches au profit des victimes ou de la bonne gestion de la montée en puissance d'une intervention.